Le petit Émile a quitté le domicile de ses grands-parents en passant par le jardin, le samedi 8 juillet 2023. On sait désormais pourquoi l'enfant tenait tant à s'enfuir. La famille est sans nouvelles depuis plus d'un mois. Émile S. a disparu du jardin de ses grands-parents alors qu'il se réveillait d'une sieste, le samedi 8 juillet 2023. Le petit garçon de 2 ans et demi a échappé à la vigilance de sa grand-mère et de son grand-père qui chargeaient des piquets de bois, des fils de fer et des outils dans leur minibus pour pouvoir aller installer une clôture dans un pré voisin afin d'y installer leurs chevaux. L'enfant était, de notoriété publique, très indépendant malgré son âge. Il avait pour habitude d'aller au-delà des 250 mètres du domicile, comme le précisait un gendarme. S'il a eu envie de quitter le domicile de ses grands-parents, ce n'est pas pour rien. Et pas pour suivre un papillon, comme il en avait parfois l'habitude. Selon les informations du magazine Le Nouveau Détective, Émile S. avait passé une partie de la journée avec ses oncles et tantes, dont les plus jeunes n'ont pas 10 ans. Ils avaient, ensemble, construit une cabane faite de rondins de boissier, située plus haut, sur le sentier escarpé menant au col de la Bourraie. Émile voulait y rester à l'heure du déjeuner et sa sieste ne lui avait pas enlevé l'idée de la tête. « Je veux aller jouer à la cabane », aurait-il répété, au réveil, alors qu'on lui changeait sa couche. C'était sans doute aussi une façon de décompresser, suggère un proche du dossier dans les pages du Nouveau Détective. Le petit échappait quelques instants à l'autorité de son grand-père. Jusqu'à présent, l'enquête ne priorise aucune piste. On sait toutefois où Émile a disparu. Le premier pistage n'ayant pas abouti, une meute de chiens Saint-Hubert a été envoyée sur les lieux et leur flair est formel. Le dernier endroit fréquenté par le petit garçon de 2 ans et demi est une fontaine située en bord de route, dans une petite rue en pente qui passe devant la maison des grands-parents. Ce lieu correspond, d'ailleurs, à celui décrit par les deux voisins qui sont les derniers à l'avoir aperçu vivant. Retrouvez toutes les informations sur le petit Émile dans le magazine Le Nouveau Détective N° 2135 du 9 août 2023.